dans la salle d'attente. Les mains moites, le stress qui me hante, espérant qu'elle soit acceptée, à vivre encore pour deux années. Un peu inquiet, je jette un œil en me levant de mon fauteuil. Elle est juste derrière le carreau, au centre qui contrôle les autos, assise seule dans la salle d'attente. Les mains moites, le stress qui me hante. Mes mains sont quittes de déception quand il s'agit de réparation. Même avec l'aide de la notice, je sais pas quoi faire de ces vis. Pense à qui l'explication à ce degré d'évolution. Manque une enquête, satisfaction pour ma vieille gueule de collection. Vont perdre un bon kilo à transpirer sur les rouleaux. Mes dix doigts savent pas planter un clou, faire une soudure ou creuser un trou. Et si ma bagnole est recalée, le mec c'est moi qui vais le sonder. Le contrôleur m'excite un peu à tirer sur le frein comme un bœuf. Mes mains sont quittes de déception quand il s'agit de réparation. Même avec l'aide de la notice, j'y comprends rien à toutes ces vices. Pas à qui l'explication à ce degré d'évolution. Manque une enquête, satisfaction pour ma vieille quête de collection. Feuillette les pages de l'autoplus. Je mate les cocottes qu'il y a dans l'Argus. Si seulement ça pouvait me détendre. Dans quel état ils vont me la rendre? J'ai pensé avoir tout réparé, mais y'a un phare qui a paniqué. Et le siège qui tenait pas bien, ça faisait marre avec les copains, mais pas le monsieur du CT. Je pensais avoir rien oublié. Mes mains sont quittes de déception quand il s'agit d'une réparation. Même avec l'aide de la notice, je sais pas quoi faire de ces vis. Pas à qui l'explication, moi seul.